Bon, eh bien bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour un nouvel épisode de Fallout 4. Alors, on va se débarrasser de McCready. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dites, Ah, il j'ai m'a pas parlé. encore eu l'occasion de vous remercier comme il se doit de m'avoir aidé à tuer Ouais, bah de Sherlock rien, de rien. Holmes. On est amis, pas besoin de remerciements. Je tenais quand même à vous dire merci. Vous avez pris des risques pour moi. Je suis pas un enfant. Enfin, un ingrat qui oublie ce genre de trucs. C'est classique. Devriez vous lâcher et jurer de temps en temps. Ça fait du bien. Bon, je le sais bien, croyez-moi. C'est pas à cause de vous. C'est une promesse que j'ai faite quand j'ai quitté les terres désolées de la capitale. J'ai pas seulement laissé Little Lamplight derrière moi. J'avais aussi une famille là-bas. Une merveilleuse épouse appelée Lucie. Et un fils, Duncan. C'est à lui que j'ai promis de m'acheter une conduite. Et de tout faire pour devenir un homme meilleur. J'imagine que ça doit vous sembler ironique de la part de quelqu'un qui tue pour gagner sa vie. En effet. Vous deviez avoir une bonne raison de les laisser là-bas. C'est ce que j'essaie de me dire. Mon fils. Il est malade. Je sais pas ce qu'il a. Un jour. Il jouait normalement dans les champs derrière notre ferme, et le lendemain, il a attrapé une forte fièvre, et des cloques bleues sont apparues partout sur son corps. La dernière fois que je l'ai vu, il était presque trop faible pour se lever. J'aurais pas pu l'emmener. Franchement, je sais pas combien de temps il lui reste à vivre. À mon avis, il est déjà mort, tu sais. On doit bien pouvoir faire quelque chose. J'espérais que vous me diriez ça. Quelques mois avant notre rencontre, je suis tombé sur un type du nom de Sinclair qui m'a dit que son pote avait chopé un genre Ça de me dit maladie. quelque chose. Je croyais qu'il me faisait perdre mon temps. Jusqu'à ce que je l'entende parler de cloques bleues. Ils avaient dégoté des infos sur un remède dans un centre de recherche appelé MedTech. Ils avaient même trouvé les codes de sécurité pour accéder au bâtiment. Malheureusement, le pote de Sinclair est mort avant qu'ils aient le temps de se rendre sur place. Ah, pas de Ça peut chance. pas être une coïncidence, hein? C'est forcément à MedTech qu'il faut chercher. Ne perdez pas espoir. Si un remède existe, on le trouvera. On essayera en tout cas. Grand-mère, vous pouvez indiquer MedTech sur votre carte. Quand vous le jugerez bon, emmenez-nous là-bas. J'ai tous les codes Ah bah nécessaires pour écoutez. franchir leur dispositif de sécurité. Ce que vous faites, c'est... Personne s'était encore jamais autant préoccupé de moi. Même si ça doit me prendre jusqu'à la fin de mes jours. Je perds Non, mon ça va, temps. pas besoin, pas besoin, va. Je vous le promets. Ah bah j'étais parti, franchement j'étais parti pour prendre, pour continuer la quête principale. Je voulais m'en débarrasser du mec créé, mais apparemment non. Apparemment on va les faire. Quelques petites quêtes, une petite quête en tout cas, je pensais pas faire ça aujourd'hui. En fait, si vous voulez, j'ai une... Où est-ce que c'est? J'essaie de voir, mais... What? Y a pas d'indicateur? Y a pas d'indicateur, what? Attends. Conduisez McCready au centre de recherche MedTech. Et je vais bien, mais c'est où? What? Allô chef, on a un petit problème. Le GPS il marche plus. Attends, c'est bizarre. Je l'ai bien mis, hein. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire? J'avoue, je ne sais pas du tout. Ah bah, il y a un dit, j'ai trouvé. J'ai vraiment sur le hasard, le hasard. J'ai cliqué, j'ai fait aller ma souris sur un des pointeurs et... Pouf. Centre recherche MedTech, parfait. Oh oh. Et je commence tout doucement à manquer de munitions. Je vais pas utiliser cette arme là pour cela. C'est vrai que là, ça me dit quelque chose. J'arrive pas à remettre le personnage. Sinclair, ça me dit clairement quelque chose, mais je sais pas c'est qui. Un personnage de Fallout 3, peut-être. Bon, essayons de trouver le terminal. Sinclair a dit que c'était le seul moyen de débloquer le verrouillage du complexe. Alerte de sécurité, verrouillage et confinement activé. Ok, là on est parti pour une quête que je ne connais pas. J'avoue, je ne sais pas à quoi m'attendre. On verra bien. On verra bien. Moi qui étais parti pour faire la quête principale, parce qu'en fait, comment il s'appelle, l'un des magazines de Science Testa se trouve dans la quête principale en fait. Je peux pas y aller, ça se trouve à Mass Fusion. Donc il faut qu'on fasse la quête jusque Mass Fusion en vrai.
la quête principale jusqu'à ma fuse. Saleté de poussière, j'en ai plein le nez. Faut qu'on aille jusque ma fusion pour récupérer Science Tesla, le dernier magazine de Science Tesla. Moi bon, j'étais parti pour faire ça moi aujourd'hui. Bah écoute, semble-t-il que on va faire autre chose. Oh c'est pas grave. Ça nous change un peu. Parce que malgré tout, mine de rien, je regarde à chaque fois que j'en sais peut-être combien de magazines il me reste. Il m'en reste plus beaucoup à trouver, hein, vous savez. Encore, j'ai pas tout à fait terminé de trier l'entièreté parce qu'il y a beaucoup de magazines. Mais tout doucement, on a fait le tour, hein. Adieu, ma grande. Pas mal de steampack, en tout cas. Tu me diras, c'est normal dans un hôpital. C'est un légendaire. Un de moins. Légendaire. Paf. Paf. Tu meurs. Et j'ai toujours cette mauvaise habitude. Vous savez, j'appuie sur tab parce qu'en fait, c'est censé cancel le zbav. L'affichage du zbav. Sauf que parfois, je le fais pile au moment de la fin. C'est pour ça que vous me voyez souvent mettre le zbav enfin. En fin de Zdav Attack, je sais pas comment appeler ça. Cartouche. Ah, c'est fichu. Pardon mon grand. Et oui, je commence vraiment avec limite niveau munitions de 308, hein, c'est... Pourquoi pas. 25 de dégâts d'hémorragie, ça peut être sympa. Ça reste léger malgré tout. Couché. Oh, un deuxième légendaire. On trouve plus vraiment de légendaires qui, moi, m'intéressent. Hein. Peut-être que quand on ira dans les DLC, on aura des choses beaucoup plus intéressantes à récupérer. Je l'espère, hein. Je l'espère sincèrement. Parce qu'on trouve parfois des légendaires qui viennent du DLC, des DLC. D'ailleurs, vous savez quoi, j'hésite à faire une base spéciale pour Automatron. C'est cassé. J'ai beaucoup de 50 par contre, c'est ça qui est étonnant, c'est que les 50, j'en ai vraiment énormément. Ça me paraît pas vraiment être l'arme ça me semble être une arme assez rare à trouver, quoi. Ouf. Ouh, comment ? Bon, c'est juste une goule sauvage, mais... C'est ce que j'appelle une élimination confirmée. T'avais eu la lance, hein ? Regardez le terminal sur le bureau, là-bas. Tu veux pas le faire toi-même ? Le passe de Jacob. Oh bah tiens, eh oui, je me souviens de cette zone, j'avais eu de gros soucis, je comprenais pas en fait, mais oui, mais en fait effectivement c'est parce que c'est lié à la quête de McCreely. J'étais venu une fois ici et j'ai cherché partout, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Mais du coup, si c'est lié à la quête de McCreely, ça fait du sens. Mais oui, c'est clair. Alors, mot de passe de Jacob. D'accord, c'est juste. Je veux pas d'accord. C'est juste un mot de passe si j'ai pas l'accès. Bon. Résumé de sécurité alpha. Commande d'alerte désactivée. Accéder au sous-sol de MedTech. Ok. Ah bah du coup on va pouvoir aller quelque part où j'ai jamais été. Résumé des rapports de vente. Vente de pré-vente. 330%. Vente de fixeurs en hausse. Le MedTats aussi. Recherche, perte de cheveux chez les sujets de l'expérience Kist provoquée chez certains sujets adultes par l'antidote de l'expérience
Pardon. Et j'en veux bien ça. Bah non, ça doit être chiant, mais. Je vais rien dire. Ok. Il faut qu'on descende au niveau inférieur. Je m'attendais pas. Ah, le jeu. Pour le coup, il m'a surpris. Je m'attendais pas à lire ça là-dedans, quoi. C'est vrai qu'avec le politiquement correct, tu te comptes la grosse imposition du politiquement correct dans les jeux vidéo d'aujourd'hui, on n'est plus habitué à voir ce genre de choses. Après, ça reste un jeu plus 18, plus 16, plus 18, un truc comme ça. Donc pour moi, ça fait du sens, c'est pas trop trop grave. Mais... c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement limite. Quand dès qu'il y a des choses qui dérivent un peu, ça part en cacahuète. Un peu dommage. Quant au bien fondé ou mal fondé de la chose, je n'en discute pas. C'est juste que moi j'aime bien la liberté d'expression. C'est qu'on dit comme ça, mais le simple fait de pouvoir dire à la fois une bêtise et à la fois une... enfin, si tu veux, l'amour ne saurait être l'amour que parce qu'il y a la haine en parallèle. C'est parce que tu choisis d'aimer que tu ne détestes pas et que l'amour prend toute sa valeur. Donc pour que l'amour ait de la valeur, il faut savoir haïr. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Après la question, je pense qu'il faut savoir gérer les dérives. Évidemment. J'en sais rien, c'est au-delà de mes facultés de pensée, on va dire. Bon, de porte de sécurité, j'ai pas fait gaffe. Ouvre la porte. Bip bip bip. Je prends un radix par contre. Hop. Qu'est-ce que je m'emmerde? Voilà. Où est la pompe? Pourquoi je m'emmerde? La colle. J'ai pris l'échiquier mais pas la colle. Je veux la colle moi. Jamais cette colle. Par là-bas, par ici. Mur. Qu'est-ce qu'il y a comme item à récupérer aujourd'hui, Lido? Il y a quand même pas mal de zombies, je vais essayer de rester discret. Essayez. du radix, tant bien j'en ai mon chien. Oh niveau, qu'est-ce qu'on met comme niveau? Paf paf paf. Ah oui, j'avais mis un point en chance, j'ai gagné un niveau sans vous et je l'ai mis. J'ai mis le point en chance, donc ça fait qu'on peut mettre la grande faucheuse peut se rhabiller. Vous avez 15% de chance de récupérer tous vos points d'action quand vous tuez une cible en mode svav. Et ça, c'est banger. À quoi je pense aussi à mettre source d'inspiration. Oh remarque, je sais pas, je vous avoue qu'actuellement je mets des points un peu dans tout et n'importe quoi sans forcément réfléchir. Au niveau du build on est bon, j'ai ce qu'il faut en termes d'équipement, enfin en termes de stuff, en termes de build. Donc je cherche plus forcément des points plus que d'autres. D'ailleurs faut que je pense à commencer Automatron. Et j'aimerais terminer le jeu de base avant de commencer Automatron, que ce soit Automatron ou peu importe, tu vois. Faut que je m'occupe aussi de la quête de Nick Valentine aussi, des quêtes de Nick Valentine. Prochain, dès qu'on a terminé avec McCready, ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre bon vieux Nick Valentine et on va faire une quête de Nick. Faut qu'on avance un peu sur les quêtes secondaires, on va peut-être un peu abandonner les magazines quelques temps. J'avoue que ça m'ennuie aussi un peu hein. Ces derniers temps ça commence un peu... Disons qu'il faut en faire mais pas tout le temps. Échiquier... Oh oh! Y'a quoi dedans? Oh, je vais pas m'amuser à les pirater alors qu'il y a rien dedans, hein. Bonjour ma grande. Qu'est-ce que tu lootes? Hey, t'es censé une mettre une annonce d'air. Un lac.
Il y a une goule sauvage, Lenda. Lenda aussi. Ouh, mais ils faisaient des expériences sur la radiation, mon cher. J'en ai bien la peur, hein. J'en ai bien peur. Hein. Allons-y. Je sais pas où on va, mais on y va. Peut-être tu te téléportes, mon cher. Il ferait gaffe, hein, mais je pense que t'as une téléportation te. Une téléportationnite aiguë. Attends. Ouh. Tu sais, depuis le temps qu'il est là, à mon avis, ton remède, il est plus très très bon, hein, il est plus très frais. Moi, quand tu cours et que tu te mets en accroupi, tu devrais pouvoir te. Tu devrais pouvoir passer en. Tu devrais pouvoir prendre une glissade. C'est un peu comme dans Dying Light par exemple. Ça aussi, c'est un jeu qu'il faut que je fasse à l'occasion. Totalement un jeu qu'il faut que je fasse aussi à l'occasion. Oh, mais clairement, c'est clairement. Clairement. C'est pas net hein, ce qui se passe ici, mon cher Macready. T'es sûr que ton remède est ici? Moi, je pense pas, hein. Oh, raté. Que des munitions, dis donc. Tu as déjà dit, mon cher. Terminal du bloc de cellules medtech. Disons. Alerte annulée. Commande de protéton activée. Je peux les activer, mais ils vont m'attaquer, non? Commande de tourelle désactivée. Ça, c'est pour moi, ça. Commande de la porte de sécurité. Ouvre les portes. J'ai peut-être fait une bêtise. Oh, Protectron. Pourquoi tu me vas dire... pourquoi tu me focus là, toi là? Fallait s'y attendre, hein. T'es bon, tes copains? Je crois qu'il n'est pas méchant, celui-ci. Tant mieux. Pas grand chose dans ces cellules. C'est vraiment des petites cellules. C'est vraiment pas clair ce qui se passe ici. Moi je pense que les... C'est clair dans le sens où effectivement ils faisaient des expériences sur les sur des gens. Comme quoi il n'y avait pas que Voltec hein, qui faisait des caravisouilles sur les gens. Oh, je l'ai raté. Que des légendaires. Ah non, il y avait une seule. Je fais n'importe quoi. Plastron, facile. Ah, c'est nul, mais je veux ça, moi, je veux ça, mais en version avec l'agité et la perception pour changer mon plastron. J'ai toujours un plastron en cuir depuis un sacré bout de temps maintenant. Moi, ouais, ça me dérange pas, hein, mais c'est juste que j'aimerais avoir autre chose. Là, y a un... Moi, bon, j'arrête de prendre tout parce que ça commence à peser lourd. Merde. T'es là-bas, Kelly? Tu me suis? Qu'est-ce que c'est grand ici? Le pouvoir, à peine le temps de se réveiller, qu'elle est à quelle diamourte. Je prends juste les munitions désormais parce que j'ai trop de choses sur moi actuellement. J'entends quelqu'un se lever. Coucher. Pas même sauvegarde, on sait jamais. Des cartouches. Non, Makali, on ne partage pas ça. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Comment est-ce que je suis censé rentrer?
Voilà. Comment suis-je censé rentrer? Je viens de là? Non, je crois pas, hein. Si, je viens de là. Là on a été, à moins qu'il y ait un ordinateur que j'ai pas vu. Non. Comment est-ce que je suis censé rentrer là-dedans? Quoi, c'est bombardé de radiation, hein, c'est pas de problème. La porte là, elle est fermée. Ah, j'ai pas vu le PC. Ouvre tes yeux, mon petit Illuminio, ouvre tes yeux. Commande tourelle, on va les désactiver. Non, je les activais, non, désactiver. Et non, je me trompe de bouton. Là, voilà. Ouvre la porte, voilà. Oui, complètement des radiations, hein. Voilà. Le temps ralentit brièvement quand vous visez. Oh, ça peut être sympa, mais ça veut dire que t'as un jet constamment. Je sais pas. C'est pas un buff de dégâts, hein. Autant prendre un jet, je sais pas. Ça me paraît plus intéressant de prendre un jet. Jamais rien compris à tous ces trucs scientifiques. Ouais. Un bon vieux DG, c'est magique, ça marche bien. Ah bah j'étais pas venu pour ça, mais du coup tant mieux. J'étais pas venu du tout pour ça, mais du coup bah let's go, hein, moi je suis preneur. Ça nous fait un au moins récupérer. Bon, on aura quand même récupéré un magazine aujourd'hui, extraordinaire. Ok, donc le préventif. Et voilà. Hey, il vous faut quelque chose. Voilà ma crédit. Réussi. La vache, on a réussi. Duncan va avoir une chance de survivre maintenant. Je sais pas comment je pourrais un jour vous remercier. J'ai une énorme dette envers vous. Tout ce qui m'importe, c'est de guérir votre fils. Je sais. Mais j'en ai marre de prendre au lieu de donner. Un jour, j'arriverai peut-être à remettre de l'ordre dans mes priorités. Bref, maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner à Good Neighbor pour apporter le remède à Daisy. Elle connaît bien les caravanes. C'est la seule qui pourra faire parvenir le remède à Duncan dans les temps. C'est la dernière. Si tu veux pas y aller toi-même. C'est promis. Allons-y. Mais tu veux pas. Enfin, je sais pas, moi ce serait mon fils, mais je. J'y cours, j'y vole, j'y plane. Je me téléporte, j'en sais rien, mais. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Pourquoi ça va passer par des caravanes alors que tu sais même pas si les caravanes sont honnêtes? Enfin. Ça nous fait une quête secondaire, une quête de compagnon en moins à faire. Je pensais qu'elle était terminée en fait. Apparemment non. Une fois qu'on l'aura, on aura terminé sa quête évidemment, on aura son bonus. Enfin, quand il est avec nous. Mais une fois qu'on aura donc atteint son talent, je m'en débarrasse de ce charmant monsieur, parce qu'en fait il me gêne. Il me gêne plus qu'autre chose. Ce que je fais, c'est qu'après je vais faire peut-être Preston Garvey. On va s'amuser avec Preston. Faut commencer à réputer aussi à lui. Marc, je sais pas, je sais pas trop si je vais m'amuser à faire tous les convaincants. Parce qu'ils sont nombreux. Et je vais pas vous mentir, mais tout doucement, le jeu s'amenuise en contenu, puis on avance, puis on fait des épisodes, et plus le contenu restant diminue. Hey, Daisy. Je vous félicite pour ce que vous avez fait à la bibliothèque. Merci. Ok. Mais de rien. Qu'est-ce que vous vendez? Oh, un peu. Ah oui? Ça veut dire que vous... Non, merci. Je vous aurais soutiré un maximum de capsules, de toute façon. Non, Daisy. Daisy. Macready. Ouais. Ça faisait un bail. Tu ne m'évitais quand même patiemment, si? Comment je pourrais rester longtemps loin d'une beauté comme toi, Daisy? Je reconnais tes boniments, tu sais. Mais je vais faire comme si de rien n'était. Alors, de quoi tu as besoin? Je l'ai, Daisy. J'ai trouvé le remède pour Duncan. Mais c'est formidable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comment tu as fait? La dernière fois, les ghouls sauvages ont failli te dévorer tout cru. J'étais pas seul cette fois. À nous deux, on a réussi à accéder à Medtech. Maintenant, il me reste plus qu'à faire parvenir le remède à Duncan. Tu peux m'aider? Bien sûr, MacCready. Tu m'as sauvé la mise plus d'une fois. C'est bien la moindre des choses. Tu peux me faire confiance. Duncan va l'avoir, ouais. Ce remède. Si MacCready vous fait confiance, ça me suffit. Merci.
Vous savez, il n'est pas si terrible que ça quand on apprend à le connaître. Le remède partira avec la première caravane quittant le Commonwealth. Le conducteur me doit quelques faveurs et c'est quelqu'un de fiable. Il arrivera chez toi en un rien de temps, MacCready. Merci. T'es un amour. Hey, rendez-moi service. Prenez soin de MacCready pour moi. Oui, oh, on va le mettre... on va le mettre... oh, les requêtes est de la merde, hein. C'est bon, c'est tout. C'est tout. MacCready, viens ici. Attention. Alors prenez ça. Vous allez en avoir besoin. Comment ça se passe entre nous? Ça va plutôt bien, je trouve. On commence à mieux s'entendre. Et j'espère que ça va continuer. D'accord, très bien. C'est fini, c'est bon. Ok. Très bien. Bon, bah, je n'ai pas encore son talent malheureusement, donc ça veut dire qu'on va devoir se le coltiner encore quelques temps. Et combien de temps? C'est 25 minutes. Pourquoi pas... Bah, vous savez quoi? On va aller faire une petite quête de Aquatic Crossing. On va aller faire ça. Petite quête des militants. Oui, il faut bien y faire un peu de diversité de temps en temps. De toute façon, de récupérer dans les magazines, c'est le plus important. On a avancé dans la quête secondaire, ça aussi. Mais j'aimerais essayer de choper du bonheur avec mes crédits pour m'en débarrasser. Excusez-moi. Ça fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce qu'il y a? On a vraiment... Les miliciens sont toujours prêts à aider. Un groupe de... Si ça continue... J'ai déjà fait le ménage. J'ai déjà fait, apparemment. C'est tout? Vous n'imaginez pas comment ça nous soulage. Je vous remercie sincèrement. Ok. Ok, bah écoutez, c'est plus rapide. Très bien, bah écoutez. Alors ça, c'était pas prévu. On va aller au château. On va aller voir notre bon vieux Preston Garvey. Par contre, j'ai toujours pas continué à construire ici. Faut que je le fasse. J'ai mis quelques plantations. J'ai juste mis le quelques générateurs électriques dans à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Il reste cela, mais. Et peu importe. Ça vaut toujours le coup de se battre pour la liberté. Ouais. J'ai éliminé les Gaules qui s'en prenaient à la colonie. Content d'entendre ça, général. Ça fera déjà un souffle. Je vous préviendrai si j'en... Profitez-en pour... Je skip, on s'en fout. Vous vous souvenez de cette colonie qui avait besoin d'aide? Tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux. C'est comme ça qu'on va regagner. Ça aussi c'est fait. Je peux faire quelque chose pour vous? Ta femme? Comment vous vous sentez? Ravi de pouvoir vous renvoyer. Dites-moi si vous avez... Rien. Non, rien. D'accord. C'est tout? Hey. Je peux faire quelque chose pour vous? Comment vous vous sentez? Ravi de pouvoir vous renvoyer. Autre chose? Non, rien. Ok. Eh ben, on a plus de quête de Prince Garvey. Incroyable. Alors ça, ça m'est jamais arrivé d'arriver dans une situation où Preston me dit... Il me dit rien, il me donne pas de quête. Étrange. Bon bah très bien, moi ça me va, hein. Écoutez, c'est pas... On va pas faire... Pas trop s'embêter. Position de point, construisez et activez. Ah bah voilà, c'est pas ce qu'il fallait là-bas. C'est où? Ah si, si. Oui, mais je dois pas avoir ce qu'il faut pour ça. Ah remarque, j'ai pas mal d'items sur moi. On a pas été rangé, hein. Je crois pas. Hein. On a pas du tout été rangé notre équipement. Ah, relais Retro 4 se fait attaquer, mince. Je vais tout ranger ici. Stop. Et on va construire ça. Une balise de recrutement, hein, c'est ça. Ça aussi, c'est partie du jeu, malheureusement. Mais... J'avoue que... Ah non, j'ai pas ce qu'il faut, il me faut la céramique. Ah, quel dommage. Bon, bah tant pis, je le ferai hors stream. Ça ne fait rien. Je m'en occupe hors stream. J'en avais déjà construit un en plus, un game misère. Ouais, c'est pas grave. Il y a encore le cadavre de la reine plongeuse ici. C'est pas une zone qui est facile à construire non plus, hein, ici. Faut avoir envie d'y dans un marais pour le coup. Bon, très bien. Donc on va aller défendre Red Rocket, et puis on... Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, c'est un très très petit épisode aujourd'hui, mais j'ai largement fait ce que je voulais faire aujourd'hui, donc... Enfin, non, pas vraiment, mais... disons que l'épisode se centre bien sur MacCready, et moi ça me convient comme ça. Ça me convient comme ça. On va le défendre Red Rocket. Et puis je pense qu'on pourra s'arrêter là aujourd'hui. Mais j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents que je pensais peut-être changer un peu mon format d'épisode. Changer la durée de mes épisodes surtout.
Hop. Encore un mécanicien qui m'envoie ses troupes, je vois. Moutitou. Bande de monstres. Bon, ça y est. Ils sont morts. Va tout bien ici? Elle est sympathique cette base, hein, moi je l'aime bien. Je continue à m'extasier devant ma propre base, c'est n'importe quoi. Bon bah du coup on aura absolument pas fait ce que je voulais aujourd'hui, c'est terrible. Chagrin du Massachusetts, c'est ça. Donc on en a récupéré un de plus. Je vais les récupérer pour tous les ranger convenablement. On en a une, deux et trois. Tiens, ça fait penser à la menace rouge, vous voyez, ça c'est un jeu. Je suis censé l'avoir ici, en tant que magazine, sauf que je l'ai pas en magazine pour je ne sais quelle raison. Donc en fait, quand tu vois Rob Coffin, en fait, c'est censé être un Rob Coffin, mais sauf que je n'ai pas le livre Rob Coffin, je n'ai que le jeu. Ça c'est bizarre, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc il y en a 5, on les a tous récupérés, Rob Coffin 1, 2, 3, 4 et 5 avec la menace rouge. Ok. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, bien que court. Enfin court, c'est pas si mal, clin d'œil. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fallout 4. Tchuss.